Tous les extraits de cette vidéo proviennent de mon live Twitch. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et à lâcher un petit pouce en l'air si cela vous a plu. Bon visionnage. Non mais après moi je suis d'accord pour dire une chose, c'est qu'en fait avec l'arrivée des combinaisons, il y a beaucoup de choses qui ont changé, même sur Day One. Encore plus sur Day One parce que c'est là où les gens jouent le plus les combinaisons. Et c'est vrai que ça crée des fois un peu des ambiances bizarres où t'as l'impression d'arriver dans le sud et de te faire enculer instant, tu vois. Après je vous dis ça dépend des gens, tu vois, on joue pas tous à 15 en combi quoi, tu vois. Moi j'ai tu vois ma combi que j'avais là, que j'ai perdu tout à l'heure, je l'ai joué tout seul pendant une semaine, tu vois. J'ai vite fait un duo, j'ai vite fait aider un gars, mais globalement j'ai tout joué en solo, tu vois. Donc ça dépend de ton gameplay quoi. Après je suis d'accord avec vous pour dire que avec l'arrivée un peu des squads qui ont montré des choses bizarres et du coup les gens ils se sont fait un peu copier et du coup ça a créé un peu des monstres. Et dans le mauvais sens du terme. On peut des fois se retrouver avec des gens qui jouent à 3-4 en combi et ouais ça peut ruiner ton expérience. Parce que du coup toi t'arrives du nord, t'as rien, t'arrives dans le sud, tu te prends un coup de ghost tu vois et tu retournes à la côte. Du coup tu dis attends là je viens de mourir par ça. Je me refais un stuff, je fais quoi en fait? Parce que ça sert à rien de retourner dans le sud si les mecs sont là-bas, tu vois. Du coup, c'est vrai que ça crée. Pour moi, il faut rééquilibrer la combinaison, quoi qu'il arrive là. Il y a un malaise en cours avec ces combinaisons. C'est cool, hein, c'est très très cool d'être en combi. Mais tout seul ou à deux max avec un mec. En plus, t'as vu l'autre jour, on a joué ça. En vrai, quand ils sont deux à peu près, passer le stade de deux, quand ils commencent à être 3, 4 avec en plus des mecs Lantia qui les aident, ça peut créer des malaises, ouais. Ça peut créer des malaises, ouais, je pense. C'est le surnombre, en fait, dans cette armure qui crée le malaise. Hein. Après, voilà, hein, c'est... Il lâche un risseur. C'est comme ça, hein. C'est carré, mon pote. De toute façon, c'est quelque chose qui est pour moi amené à évoluer parce qu'il va y avoir de plus en plus d'abus. En fait, on se sert d'un équipement d'exploration, la combinaison, comme une armure de guerre. Donc ça n'a plus rien à voir. Alors, je sais pas si c'était le but ou pas de Sumrak... à la base, mais et je pense qu'il n'avait pas calculé non plus le fait que tout le monde basculerait du coup l'utilité à la combativité, mais clairement, ouais. Clairement, ouais. On a basculé, si tu veux, un objet d'exploration à un objet de... On le transformait en objet de guerre. Déjà, pour moi, la combi, faut plus la réparer. Parce que du coup, le truc est quasi invincible. Limite, tu tues quelqu'un en combi et la combi, elle est morte, tu vois. Pour moi, c'est un truc, ça va de sens. Pour moi, déjà, la combi, tu meurs avec la combi, bah, elle est perdue, quoi. Ou du moins, on peut pas la réparer. Elle s'abîme jusqu'à la mort, tu vois. Rien que le fait, déjà, de pouvoir réparer la combi, pour moi, déjà, on est déjà... Il y a un truc qui va pas, tu vois. Après, que les gens la farm et que les gens, ils jouent à 15 avec la combi, ça malheureusement, c'est libre au gameplay de chacun, tu vois. Là en ce moment, tu la poses au sol, tu mets un coup d'hypoxie, elle est toute neuve, elle retend 15 000 balles, ouais, en ce moment. En ce moment là, actuellement. En fait, il faudrait réduire, si tu veux, déjà la. Le fait de pouvoir réparer la combi et lui laisser, si tu veux, son autonomie complètement monstrueuse de tanker des balles, ok. Par contre, au bout d'un moment, elle s'abîme, et au bout d'un moment, elle est ruinée, et c'est fini. Et tu n'as plus de combi, en fait. Elle dépop comme une guillie, tu vois. T'as capté ? Oh. Oh la vache, j'ai mis une balle, les gars, vous savez. J'ai mis une bastos, ils m'ont tous aggro. Parce que là les mecs des fois ils gardent ça à l'infini, ils se mettent à 3-4 et ils meurent jamais, jamais. Ils terraforment un serveur, c'est fragile tu vois, c'est comme une pomme. Si tu croques trop dans la pomme, au bout d'un moment les joueurs ils... Tu vois, tu les étouffes. Et là ça commence à être un peu étouffant quoi. Pas sur tous les serveurs, je tiens à le rappeler, il y a surtout un serveur où les gens ils sont entre guillemets étouffés. Mais je sais que c'est un truc qui va déteindre forcément après sur les autres serveurs, c'est obligé. Parce que t'as des gens ils se disent ouais bon vas-y c'est pas bien ce qu'ils font mais je vais pas le faire. Mais t'as des gens qui disent ah bah attends eux ils le font ça marche bah nous aussi on va le faire. Et c'est ça le problème, il est là le problème. Le problème il est là poteau.
Mais ça, c'est Sumrak hein, qui devrait. C'est pas au petit gars de Day One qui devrait. On devrait envoyer un message à Sumrak à dire oh, ta combi là, c'est super, hein, on va dans l'espace et tout, mais. Une fois que les gens reviennent de l'espace, ils s'en servent pour combi de combat, quoi, tu vois. C'est ça le problème. C'est exactement ce que je viens de dire, c'est que tu transformes un outil d'exploration, et un peu entre guillemets d'armure, en un outil full après, comment dire. Tu sais que tu tankes à mort, tu sais que tu traques pas, tu sais que. Tu vois. Moi déjà, de plus pouvoir la réparer, je pense que c'est un bon début. Ok, on laisse comme elle est là, elle tanque des balles. Au bout d'un moment, elle devient abîmée, elle va encore retanker des balles, tu vas encore pouvoir remanger des balles. Au bout d'un moment, elle est ruinée, c'est fini. Tu la mets par terre, c'est fini. Tu remets ton slibar et ton pantalon et hop, t'en refais une si tu veux, tu vois. Parce que ce petit côté, je tanque des milliards de balles, je meurs jamais. Hop, je vois qu'elle est abîmée, je me mets dans un arbre, hop, je la répare. Même moi, je l'ai fait, hein, je l'ai déjà réparé en urgence la combi. Et hop, elle est repartie comme en l'an 40, tu retanques des milliards de balles et... Après, je vous dis, on parle de mon cas, mais moi, je joue tout seul en combi, frère. Ça n'a rien à... Les gens qui jouent la combi en tout seul, mais jamais je... On s'en fout, quoi. On parle pas de ces gens-là, tu vois. C'est... Si on parle de la combi, et du... c'est parce qu'on sait qu'il y a des comportements un peu... on sait que c'est un peu Shuckleweed et compagnie, là, sur certains serveurs. Ouais. Donc, d'un côté, bon, bah... Si on avait jamais eu les comportements bizarres, il y aurait peut-être jamais eu de problème, mais... En fait, c'est comme tout, c'est... Sur Day One, c'est pas forcément les... Les items, les problèmes du jeu, c'est les humains qu'il y a derrière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pareil, la combi en vrai, elle a pas de problème, elle est bien comme elle est, et puis on s'amuse, machin, un truc. Mais il suffit d'en faire une mauvaise utilisation, ou de jouer à plusieurs, ou de faire un peu le... Ou détourner un peu la méta, et ça y est, c'est là où en fait le problème... Et là, du coup, après, t'es obligé d'agir, etc. Genre. Faut des données, mais ouais, faut des données, ouais. Là, on a quand même pas mal de données. Moi, je vois des trucs, j'ai vu des clips, les gars, c'est... J'en parle pas en stream, parce que voilà, je suis pas là pour faire des dramas, et c'est pas le but de la chaîne, tu vois. De dire, ouais, lui, il chie, machin, je m'en branle, en fait, c'est comme ça, c'est le jeu, mais... Ah, il y a quand même des trucs où les mecs, ils ont plus aucune... ils s'en bat les couilles, ils sont au libre, ils s'en bat les reins, les mecs. Hein. Namask, il faut que ça reste un petit havre boisé de paix et de combat où il y a une sorte d'équilibre entre les titans et les survivants, tu vois. Si c'est que les titans qui gagnent tout le temps parce qu'ils sont en surnom ou parce que leur combi elle s'abîme jamais ou je sais pas quoi, moi je pense personnellement que c'est un little bit malaise. Il faut un équilibre, il faut l'équilibrer ce truc là, ces comblards là, ouais. Il faut équilibrer ce machin, ouais. C'est pas activé. Il y a du monde dans le verre. Ah, le verre, pardon. Que je fais, j'attends la fin du cycle de l'over, il y a aucun saut mec. Il y a peut-être des gens qui vont se mettre à l'abri, donc je garde une décale ici, fixe, pour l'instant. Si ça peut, je décale tout de suite dans le couloir. En fait, il y a que deux endroits ici pour se mettre à l'abri et pas être affecté par l'over. Il y a l'espèce d'enfoncement que je regarde actuellement, et il y a l'autre là-bas en face ici, à gauche du bâtiment, où tu descends dans le souterrain, et t'es à l'abri. Si tu veux, t'as toute une zone ici, et t'as que deux endroits comme ça souterrain où tu peux te mettre à l'abri. Thank you.
fais trop de bruit. Il y a quand même une volonté du joueur là de remonter sur le verre là. Il a couru tout de suite sur le verre. Bon, je pense pas que c'est ça. On va tirer au repeater s'il est à l'amphibia le mec. Non, j'ai regardé s'il y avait des menottes, il n'y a pas. Il faut bouger vite. Parce que FAMAS comme ça, tu vois. Les joueurs ils aiment bien ça, miam miam, tu vois. Mine plein nord, bah non mec, c'est ça, hein. Escalier. 100% la mine elle a pété dans l'escalier, mon pote. Il a tout loqué derrière lui et tout. Et il est mort par la mine. Waouh, ah, les salauds. C'est vrai Mick, je me suis pas fait plaisir sur le sac à dos mais c'est pas grave. Ce bleu saillant me va à ravir, on l'appelle le Talun au Sigriff. Ouais, il est là le mec. Hein. Ah ouais, ça monte fort, putain, ok. Monte à deux. Mon arme est enrayée. Le VR se lance. Pourquoi mon arme est enrayée, bordel? Come on, Days! Fuck you! I need my fucking weapon, you piece of shit! Come on, you fuckers! Non, gros, non!
Ok. Non, je l'ai pas vu, non. J'ai eu de la chance. Pourquoi mon arme est pétée, les gars? Mon arme est pétée, les gars. Casse-toi de là, la marmite de con. Oui, du 5,56, oui, oui. Merci, monsieur. T'as un mort là-bas. On va tous dans le verre ensemble. C'est notre destin. Ils sont en train de se démonter la gueule. Oh ouais, la boule est énorme, les gars. Normal que ça saute à fond. Pas les gars, il est trop énorme le steak. Aidez-moi, je vais mourir ici. Je veux ce steak. Je veux ce steak. Oh la connerie. Ariscanioro. Ouah, je suis tombé tout en haut là. Oh, je suis ultra mort les mecs. On a quand même failli crever à l'extérieur aussi, hein, le mec allongé là au niveau du ponton. Je connaissais pas cette pose, tu vois. On le voyait à peine. J'ai foutu du coup tout le mort en bois. Hein. Hey guys, I'm friendly, please. Don't shoot, man. Je peux pas me cacher. Hey, what's up guys? Let's make a deal. I'm give you some food and you let me alive. Hey, is that the fucking Joey? Is that the fucking old man? Yes. Oh man, be careful, there is one another guy, man. Be careful, not me. Be careful, man. Okay, gotcha, gotcha. Yeah, yeah. I don't have too long on this battery. I was about to jump in with a stick on fire. Wait, I hear somebody moving. Yeah, it's me. I'm at the fucking food storage. The last stage, maybe. But maybe he camping the, you know? The ledger. Hey Willy, there is only you running right now, yes? Yeah, just okay, me running. Okay. I'm right next to the orb room. Yeah, I see a old SKS, Sovietic SKS here. Maybe someone takes some SVD or shit like this, you know? Not me.
I wish one day we can use the wood of the SKS to make some splint, you know? You take the wood of the SKS and you're making a splint. Yeah, yeah, just duct tape the whole gun to your leg. Sure. Okay, I'm coming through. Yeah, it's me, it's me. How's that leg looking? Good. I do have a stick. No! No way, man. Yeah, I was gonna jump in with the wizard staff. You see the dead body I didn't have a battery. I didn't have a battery for my headlamp, but I got one off the body. Did you kill that guy outside? Yes, yes, yes. And two more here, but maybe he's here, you know? He's waiting us. Well, I found the black blade, so I'll go down first. Sorry. It's my emotion. I'm emotional, you know? Yeah, right. I want to give you this, man. I don't know if you can use it because it's jammed. Maybe you can unjam the weapon. It's jammed. So for me, it says that there's. It says it's not jammed. No, it says there's one bullet in it. Okay, it's a gift for you, man, for the splint. Maybe I can. Well, here. Do you want this M16? I fucking hate the M16. No. I love my. I love this, man. Ah, tu vois, on en a chié putain pendant tout le stream, mais je suis content de vivre tout ça, tu vois. Toute cette EVR, l'action Athéna, je me sens bien là. Là, ça remonte un peu les effluves, tu vois. Alright, let me just fix this plate up before we go further. Okay. I have some epoxy if you want. I'm good, I gotta burn this leather again. Yeah. Whoever else jumped probably already. If you hear, we are safe. No, I was quick. I was there instantly. So the thing is, I kept going so I could get to a fireplace so that I could see something. But I don't know. They might have just decided to call it. Yeah. How you loot a tree with a shame light stick? I had a torch. Okay. Oh, there you go. Where am I? Oh, here, hey. I get some shit. What guns you get? Oh, shit, you got the LAR and the SVD. This guy came in and yoinked everything, Joey. Hey, man. Oh, you look good. LAR mag. Nice. Oh, take it, man. I have this. Either of you have a glow stick? You have SVD too? No, I don't think so. Okay. Oh, maybe I'm gonna take this. Yeah, it's okay. I can just go between you guys. I'll make it out. You want some SVD ammo? Take it. Sure. You have an extra gun cleaning kit? This thing's pretty banged up. Look what I have for your SVD, man. Okay. Nice. I didn't expect this. No, you look very nice. I got sound. I was sitting in uranium, and I thought the buildings were creaking. I was like, "Oh yeah, a storm." And then I was like, "Nah, it's just the buildings." And then all of a sudden, I hear a storm. I'm like, "Wait a second." So yeah, I was a button pusher. Over. I ran down with a torch and there is so many action at recharge, man. Maybe six people. I'm fighting six people at recharge, man. It's so insane, man. I shot at two guys. It's me on and the hillside before all I came the in. People rushing me and shit like this, you know. But there is more, guys start trying to get in the same time I was. I shot at them, kind of like warded them off, and then ran down, got a torch, and ran back up. Went forward. Good, man. Goddamn. And here you are, stuck in the tunnel. You would have been screwed if we didn't come through this way. Yeah, I knew where I was, kind you of, have nothing, I knew where nothing the fireplace to make was, some light? Nothing? I was pretty, You can make light with your weapon when you're shooting the fire. Yeah. I was about to do that. I was just eating all the food I had. Because I've been sick, so I was like, you know what? If I'm gonna die, I'm gonna die on a full stomach. Nice. That's fucking crazy. Good life for you too. Holy shit. Oh, I make so a fucking shitty life today, man. I lose my spacesuit, man. 7 days of surviving. And I'm getting one tapped. God damn. One shoot. Yeah, we lost our spacesuits. Maybe go surfing, I don't know. We lost our spacesuits to a guy sitting on top of A2 roof. We went to hit the button, got blasted. My gun jammed too. That's what made it even worse. Gun jammed. I aimed right at the guy, went to click, gun jam, and then just had to watch him kill me.
That was a rough way to lose it. Yeah, because it jammed when you made that little like flick because you thought he was behind you. And you're like, my gun's jammed. And I was like, oh, fuck. And then I guess didn't unjam it. You're like, all right, I'm going for this guy. And yeah, I tried to switch to the SVD, but I fat fingered the wrong bind. Everybody lost his space suit. Nice. Now we are like human. Yeah. Oh, putain, l'alarme, mec. Elle est... Daisy's been kicking my ass today. It's been like, no, you know what? You've been having too many good runs. As the same. It's time to get humbled. Maybe 3 hours of fucking sufferance, and now I make a good life. Sometime it's happened. Yeah, me too. I was like, you know what? Maybe I'll be all right, you know? And then they started going out quicker, and I was like, okay, yeah, no. That's not gonna work. I did cut... Oh, wait. I cut up my mask, too. Nice. We survived, guys. Cool. Oh, yeah, you need a new... Oh, well, I guess you got the gas mask for now, so you don't get frostbite. Yeah, I'm good for that. Putain, il était bien cette vie, les gars, c'est ouf. Putain, je rencontre les deux mecs que j'aime bien jouer en plus. Ok, I'm pretty much good. Lui là, c'est pareil, il joue super fort. Yeah, me too. Les deux, ils jouent fort là, j'aime bien. Good old candy cane. Ils then. Ont une bonne. Tu sais, ça chat et tout quoi, j'aime bien. Ils ont une bonne discussion, t'as vu, on rigole et tout. De toute façon, j'étais foutu, hein. Heureusement, je suis tombé sur des mecs bien, hein. Tu sais, j'aurais pu crever là. Bah, après, moi je me voyais mort perso, hein. Le mec il parlait pas et tout. Jambes cassées, à la limite j'aurais pu fouler un des mecs, ouais, mais encore. J'aurais pu fouler un des mecs, ouais, mais je me voyais dead de ouf. Suite per guy, ouais, it's not a bad idea, but... Yeah, one per guy, I think it would be nice. Maybe, then even if you do get these for crazy beginning, squads, just d'entrer par the space suite, it can be good too. When the space suite is dead, it's dead. Because, you know, you go in the trees, put the space suite on the ground, exactly. Fix it with a fucking... mouse stick, you know, what the fuck, man? 100%. I'd much prefer that. Even if there's big squads, if you kill a couple, you know, they're not gonna just run back and pick up the suit over and over again. I've been seeing 5-mans rolling around the suits. It's like nothing you can do. I see that too, man. I leave the server, man. Full meta player, I don't like this. It's funny one time, but... one time. Yeah, when they're sitting there in a barrack at research just waiting for their friend to come back and get their suit. Yeah, I don't know about that. Là, ils sont pareils, hein. Même avis, les frérots. Lui, carrément, il a dit qu'il faut une space suite par gars. I think this guy strolled down from here, but... Hey. Oh, no, he only had a BK. Did he have an MK pistol, did you see? No. Yes. He didn't have an MK. He had an IJ. Ah, lui carrément, c'est un. He was une heading space up towards the mountain whenever I saw him. Une space suite par Aden, ouais. Oh, il est chaud. Non, too many zombies for that poor guy, man. Somebody's here. Somebody's eating. Yep. Hey guys, are you friendly? We come peace. Yes, I'm friendly. Y'a deux mecs dans le bat. Y'a deux mecs dans le bat. C'est pas moi. J'ai entendu deux mecs dans le bat. Je suis dans des chiottes. The French one is my friend, and he said there is two guys upstairs of us. Hello. Okay. So this one is my friend. There. Yeah. Yeah, je suis dans les chiottes, je suis dans le police. And he told us there is two guys upstairs, yeah. Okay. Ils ont quoi comme stuff, les deux mecs au-dessus, là? Je sais pas. Okay, he don't know about the stuff, but he know there is two guys upstairs, okay. Who's your friend, then? Is he in the police shack? T'es dans le police shack, là? Ouais. Okay, yes, police, ouais. Yes, sir. Okay. I mean,
What the fuck, man, this day you can so go crazy. In the tower and cover the ladder for me, and I'll climb the ladder. For sure, it's two guys. Maybe in case I get hit by a landmine. Okay, Stacus speak in English only, okay? For his friend. Yeah. Okay. Yeah. I'm gonna climb the ladder. He's gonna cover the ladder for me in case I die to a okay, landmine. Okay, I'm covered this angle, okay? T'es où, Stacus? Dans le police check, je regarde de toi là. Vas-y, viens avec moi en bas pour cover les deux angles. Viens. Je suis en bas là, décale déjà, au niveau d'escalier. C'est moi là. Ah ouais, des cadavres découpés de partout, ouais. Non, fais gaffe, hein, c'est au-dessus. Hein. Nice, good shit. Oh, it's dead. Yeah, perfect. One dead. Fucking perfect. Yeah, one down. There's one more. We have the stairs, huh? We have the stairs. Do what you have to do, man. Stair is cover. I surrender, guys. You're gonna die, the last one. Surrender yourself, why you man. Why you cut body, huh? Okay, I'm up top. You guys haven't climbed the ladder, right? Yeah, no, we are down. We are down. Did you just climb the ladder? No, he's sick. The guy is sick. You just hurt? The guy is sick. Not you, yeah? Yeah, not me. Okay. I'm not sick anymore either. Okay. He's the second guy. The second hiding, guy is still here, between us. Surrender, man! You can do it! Just put your hands up and go down. Did you do what I did? I was like, I'm gonna get eyes for that real quick, okay? Yeah. Yeah, just come with me so I'm tradable. He's dead. You did so? Okay, so. Time.